fur rod, so fully packed, so easy and draw. They would sing to me a gypsy love song, like this. Listen. Cucaracha! Cucaracha, cucaracha! Cucaracha, cucaracha! Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ouais, et bienvenue, chers amis, dans un nouvel épisode du Witcher 3. J'ai pas relevé le numéro comme d'habitude, vous savez, on est au schnapps, c'est tout de suite la suite de votre émission. Chers amis, et nous voici plongés dans le monde de la Witcher 3, hein, de Ciri qui est là, elle est belle, elle est sublime, elle est absolument formidable, elle est toujours blessée, elle a un petit déhanché absolument délicieux, chers amis, et ah oui, elle voulait me faire entrer dans un sauna. Oh putain, mais j'ai pas le temps, il est dimanche soir, c'est du contenu qui est tourné pour lundi, et Fanta accouche, et j'ai pas envie de passer des heures à censurer les boobs, et... Fine. On va y aller pour la beauté de la forme, chers amis. On a espoir. On y croit. Très bien. Entrez et ôtez-moi ces frusques. Non. Tout ? Évidemment. Astrid, c'était la mauvaise réponse. Il faut pas dire évidemment. C'est quand elle demande tout, il faut répondre oui, tout. Puis il faut se lécher les lèvres comme ça. Ah bah c'est fermé ! Ah bah quel dommage ! Quelle triste. Et merde. Ah. Fine. Bien. Se dévêtir. Bon bah allons-y. C'est fait. S'envelopper dans une serviette ou entrer dans le sauna. Ah. S'habiller et partir. Ah, c'est tentant. C'est tellement tentant, chers amis. Mais Bob, t'es pas obligé de censurer. On est sur YouTube et les titres se sont autorisés. Rangez vos bites, les gamins. Moi, je censure. Allons-y. Nya. Encore plus de boulot pour le Lennon. Voilà. La serviette, elle est mise et on entre dans le sauna. Hé, alors apprendra à ces paysannes. Une serviette? Vraiment? Enfin, du moment que vous êtes à l'aise. Ouais. Enfin, je craignais que... Allons, mère, tu te fais toujours du souci. Tout va bien, n'est-ce pas? Oui, tout va bien. Ouais, tout va bien. Très bien. Pourquoi porter cette serviette, petite? Elle va tout tremper. Mère, elle vient du continent. Elle est pudique. Oh bah ça va la bouseuse, hein. On se calme hein, déjà. Entre être pudique et exhiber sa poitrine tous les 5 mètres, hein, avec ta vieille de mère, honnêtement, ça sent la morue dans ce village de pêcheurs. C'est moi qui te le dis. Je vais être obligé de tout censurer, c'est dégueulasse. Ce n'est pas de la pudeur. Je voulais quelque chose pour m'asseoir. Vous n'avez rien trouvé d'autre ? Astrid ! Tiens-toi, ou je te renvoie vider les poissons avec ton père. Vider le thon. Mais on papote, la vapeur s'en va. Arrosons les braises. Non, c'est pas réellement nécessaire, madame, je vous en prie. Oh. Les sacrifices que je fais pour ce plétrou, bande d'enfoirés. Dites, chez vous, il y a des saunas? Non, mais chez nous, on a des cerveaux. Maintenant, si tu pouvais t'asseoir et la boucler... Gna, au lieu d'exhiber ton opulente poitrine. Je préfère ne pas parler de moi. Pourquoi ça? Je suis recherchée. Je ne veux pas vous attirer d'ennui. Pour Skial, le mal est fait. Quoi? Il n'a Dieu que pour vous. Il est resté tout le jour à votre chevet, à vous reluquer comme si vous étiez l'œuvre d'un grand maître. Astrid, je t'avais demandé de ne pas le lui dire. Oups! Oh, ce qui est fait est fait. Ce qu'elle vous plaît? Et ben, je sais que dans l'histoire originale, on me l'a raconté. Apparemment, il faut savoir que Ciri s'envoie en l'air avec un elfe magique justement. Donc j'imagine que si elle préfère les elfes, c'est qu'elle aime les femmes en fait. Pour être honnête, je préfère les femmes. Ah, je vois. Ainsi les bardes disent-ils de vrai. L'amour prend bien des formes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux une gigue, la vieille? Écoutez, j'ai grand plaisir à rester assise à bavarder, mais... il faut que je file. C'est compréhensible. Qui voudrait s'attarder dans ce trou? On est tous cousins et ça pue le poisson. Je ne te vois de cousinage avec personne. À l'eau, Fautant, tu es la seule à ronchonner ainsi.
Tiens-toi un peu tranquille. Petite, Skial en a certainement fini avec les chevaux. Mais avant votre départ, piquez donc une tête dans l'eau. Ça vous fera le plus grand bien. Ouais, ça va vraiment pas m'aider pour mon montage, ça, mais enfin, pourquoi pas. Pourquoi pas? Après tout. Passez la porte et vous verrez le quai. Prenez garde, il est glissant. Merci encore. Ouais. C'est inutile, je vous assure. Puissent les dieux veiller sur vous. Bon, merci mamie. Pour le coup donc, chers amis, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que tout est un peu glissant et humide dans ce village, si vous voulez ce que je veux dire. Enfin, sautez dans l'eau pour rafraîchir. C'est froid. On voit des tits, mais on les voit de loin et ça bouge vite, on s'en rend pas compte, regarde, waouh, les effets spéciaux. C'est dommage que je puisse pas les pousser dans la flotte. Elle, je peux lui mettre un coup de pied à la This is Sparta et blah dans l'eau à moins 50. Presque, c'est pas grave. Buvez un verre d'eau de vie de Freya pour réchauffer. Oh, bah c'est barbare, j'aime beaucoup. Le fameux verre invisible. Bon bah ça c'est fait. Rejoignez Skial à l'écurie pour vous faire monter. Très bien. Par où je sors du coup, mesdemoiselles. Voilà, parfait. Par littéralement ce trou dans le mur. Ah d'accord, il n'y a pas de vestiaire pour les hommes. D'accord, j'imagine que c'est un sauna réservé exclusivement aux demoiselles. Tu me diras, ça fait du sens. Retirez la serviette. Alors ça, c'est pour l'aspect de censure. Attention, vous êtes prêts? Mais merde, on l'aura pas eu. Il n'y aura pas eu l'aspect censure. On peut avoir l'aspect censure? Eh ben perdu, vous n'aurez pas l'aspect censure. Ah, Siri restera pure. Parfait. Merci, mademoiselle. Allons retrouver son crétin de frangin. Et voir comment on va complètement foirer cet endroit. Pardon les enfants. Ah, t'es déjà en train de monter la jument, je vois ça. Impeccable. Ah, vous voici. Les chevaux sont prêts. Moi aussi. En route? Écoutez, ma sœur, elle a pas dit d'ânerie, j'espère. C'est tellement du drama avec le vent qui parcourt ses cheveux. Non. Hormis le fait que vous étiez fou de moi. Quoi? Je lui avais dit de... Et puis je ne... Bien sûr, vous êtes très... Mais... Bah, vous savez quoi? Partons. Vous êtes pressés, le soir tombe... Je ne suis pas pressée à ce point. C'est ton premier baiser? Bien sûr que non. Oui, mon premier. Nous avons peu de temps, mais assez pour t'apprendre deux ou trois choses. Oh, c'est mignon. Sauf qui peut. Ah merde. Ne bougez pas. Je sais me défendre. Non, je n'ai toujours que celui-là, très bien. Il frappe parfaitement l'affaire, il est vide. Il est entièrement vide, très bien. Barrez-vous! Laissez les nudistes tranquilles! J-
J'allais m'offrir une nuit de plaisir avec un étalon qui valait à peu près 6 sur 10. Et il a fallu que vous foutiez tout en l'air. Tout ça pour un peu de caligou magique. T'en veux, je vais t'en donner, moi. Ah, oh. Voilà, il paye. Ah merde, enfourcher un cheval et fuyer vers le rocher du noyadé. Ah, j'avais pas lu ça, moi. Bon, on va encore buter quelques-uns. Ne serait-ce que pour la gloire du métal. Ah. Ça fait très film de cap et d'épée, j'aime beaucoup. Yeah. Là, il s'en prend plein la gueule, hein. Et voilà, ouais, je l'ai fait bugger. Bon, j'imagine ça suffit. Cassons-nous. Quoi? C'est quoi ça? La chasse sauvage. Ragnarok. La fin du monde. Pas encore, gamin. Non, pas encore. Mais je dois filer. C'est moi qui le cherche. Ancel, je vais vous montrer le chemin du rocher. Tu veux dire, le coin dur? Je ne sais pas comment vous remercier. On y pensera une fois à l'abri. Au galop! Allez, ya! Ne vous retournez pas! Je peux pas, je suis à cheval! Oh shit! Ah, je me suis retourné! Plus vite, il gagne sur nous! Ça va, pardon! Ouah! J'étais trop en confiance! Ça roule! Enfin, ça galope! Non, ah, allez, pépette, reprends du poil, il s'approche. Cours. C'est tellement stylé ce flashback. Le plus triste dans cette histoire, c'est qu'il est... Il est mort vierge, mais il était à ça, quoi! Il était à ça. Qu'est-ce que c'était que ce machin? C'était le mélange entre le fils à Dobby et à Gollum, en fait. Peut-être une petite partie de Gwent. Oh, c'est tentant. J'adhère. Ah, j'ai pas assez d'argent. Je meurs d'envie de jouer au Gwent, ça devrait me requinquer. Bon, sinon t'as bu assez d'hydromel pour jouer au Gwent ou t'es encore complètement con? Allons-y. Petite partie gratuite et ouverte, chers amis. Vous êtes plein que j'en faisais trop sous cap. Donc on va vous montrer un petit peu. On a Stanislas, on a un trébuchet, on a une baliste, une catapulte. C'est pas mal, c'est pas mal. On a
quelques trucs qu'on peut... Oh, on peut travailler avec ça, et je suis sûr qu'avec ça, on peut faire quelque chose d'autre. Impeccable. Bon. À l'adversaire, Squayatel, ça joue Jasquier. Très bien. Pas de problème, pas de problème, mademoiselle la juge, il n'y a aucun souci. On va lui donner l'illusion qu'il est fort et on va lui balancer Talar. Et on va piocher. On va se servir. Les nabos appellent leurs potes. C'est bien cool. On va continuer à saucer, il n'y a pas de raison. Voilà. Contrebandier avocat, pas de problème. Oh là là, quelle tristesse! Regarde tous ces gens au corps à corps, regarde la capacité de cette carte. Incinération, combat rapproché. Détruisez les unités de combat rapprochées les plus fortes de votre ennemi si la force cumulée de ces unités de combat rapprochées est d'au moins 10. Du coup, il ne va pas savoir quelle carte détruire, il va détruire toutes les cartes les plus fortes de la première ligne qui ont la même valeur, c'est-à-dire 10, 10, 10, 10, 10. Vrai, la value! La value, elle est là! Merci, la value! Donc là, il a perdu 40 points dans la bite. Ça lui a fait tout drôle. Ah, et là, ça commence à réinvoquer Stanislas. Ah, ça se chie un petit peu dessus. Ah oui, là, ah bah, ça fait mal. Perdre 4 cartes d'un coup, ça fait un peu mal au fion. Donc, pas de panique. Je suis en train de regarder ce que je peux balancer. Je peux mettre un petit Geralt et une petite Ciri, histoire de garder la main. Allez, on va faire ça. On va garder la pression un peu. Terre brûlée. Oh, quel dommage. Quel dommage. Si j'utilise ça pour ressusciter Vilain Tremeth, est-ce que son effet s'active? Je ne sais pas, mais je vais garder ça. Donc il a l'avantage de 1 point, donc il croit avoir un vrai avantage en fait, hein, ce qui est très intelligent de sa part. Sauf que même principe de Terre Brûlée, regardez, quelles sont les cartes les plus puissantes sur le terrain? Vous allez me dire Geralt qui vaut 15 points d'attaque. Eh bien non, parce que Geralt est une carte héroïque et ne peut pas être affectée par les pouvoirs et les sortilèges. Donc la deuxième carte la plus puissante, c'est une carte Nabo à 6. Mais comme il y en a 3, le jeu il va se dire, ah bah on va virer toutes les cartes à 6. Vrai! Allez! Value! Donc là, il est bien cramé. Il va falloir qu'il prenne masse de temps pour s'en remettre. Parce que je lui ai quand même fait ultra mal au fion, il faut le dire. Donc je vais poser Trismerigold. Voilà. Voilà. Ah bah, ça commence à essayer de booster un peu les autres troupes. Ah bah, c'est impressionnant, j'avoue. Ah oui. Il y a de la bonne comptabilité fion là sur le truc. Bon, on va balancer. Voilà, Vernon Roche. Allez. On bourre, chers amis. De toute façon, il est au bord du gouffre, là. Il commence à balancer ses cartes héroïques. Moi aussi, j'en balance les cartes héroïques. S'il veut jouer à celui qui a la plus grosse, il va perdre, hein, ultimement. Il a passé. Il a admis qu'il avait pas de bite. Eh ben, très bien. Alors, ça va être bien pour le ressusciter. Quand je peux le récupérer maintenant et ressusciter une autre carte plus tard. Ou alors, je peux la poser, ressusciter la décaste et ressusciter une autre carte. J'ai l'impression que ça revient au même. Ah. Je crois que ça fait passer plus de tours et ça me fait gagner plus de temps. On va faire ça. J'ai gagné la manche. Très bien. Je tire une carte en plus. Un glandu. On va poser le glandu. La dragonne. Il envoie une dragonne à 10. Pourquoi pas? Moi j'envoie un glandu à 10 aussi. S'il veut la jouer comme ça. Hein. Oh, quelqu'un capable de ressusciter quelqu'un d'autre. Et il ressuscite l'espion, Talar, pour tirer 2 cartes supplémentaires. Très 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 bien joué, mon loulou. Très bien joué, très bien joué. Je vais jouer une bonne vieille catapulte. Voilà. Terre brûlée, très bien. J'ai fait exprès, chers amis, pourquoi? Parce que j'ai joué la catapulte de manière à ce qu'il claque sa terre brûlée et que ça la tue, la catapulte, volontairement, automatiquement. Du coup, partant de ça, je vais poser ma soigneuse. Et je vais ressusciter le prince Tennisman. Voilà. Federer en force. Parfait. Il joue une gitane elfe, bien à son loisir. Moi, je joue le commando des stris bleus qui va fusionner avec mon second commando et donc doubler la force de chacun parce qu'ils sont gays, mais ils sont bro. L'amour viril. Froid mordant. Oh, bien joué. Bien joué, il utilise le froid magique pour réduire la force de mes unités de premier lieu. Mais le super pouvoir de mon roi fait qu'il décide qu'il fasse beau. Aujourd'hui, je décide qu'il fait beau et dit royal. Voilà, il y a un respect qui s'est gagné. Temps dégagé, il est baisé.
et il ne peut plus rien faire. Vu qu'il a plus de cartes, il est obligé de passer son tour. Et maintenant, donc, je peux jouer librement. Alors, jouer librement, ça veut dire récupérer... Quoique, je peux récupérer Talar. Ah, c'est risqué. Attends, ça voudrait dire que je peux récupérer... Non, j'ai déjà récupéré Tennisman. Récupérer Talar. Puis je vais piocher. Ça va se servir, hein. Pas de raison. Voilà. Plus d'amour viril, l'enfer de la bite. Le pouvoir de la bite. Très bien. Double pouvoir of Doom. Ah, malheureusement, ça ne marche pas, d'accord, faut le savoir. Moi, je croyais en fait que de poser un jasquier qui fait le pouvoir de clairon qui double la puissance d'attaque des gens sur une ligne et de poser un clairon, ça doublait. Mais en fait, non, ça ne fait que doubler jasquier qui n'est pas affecté par sa propre puissance. Voilà. Donc, il faut imaginer Jasquier, là, il a une trompette et il a plin plin sur le champ de bataille. Mais il y a un mec à côté de Jasquier qui a une trompette dans l'oreille à Jasquier et qui a la plin plin aussi, tu vois. À côté d'une pile de trois mecs complètement homosexuels dans la beauté de la chose. On bourre. 116 à 22. Voilà! Merci et revenez vous voir. Si t'as plus de sagesse en hydromel, je te conseille d'arrêter. Bien. Et j'ai donc gagné 6$. Il mérite, c'est une bonne carte. Je suis content. Ne menacez jamais un guerrier de Skellige. Surtout s'il commande un drakkar. De quoi? Tu crois que commander une bicoque en bois va te donner une quelconque force? Ah, bien joué. Ah, wow. Très bien pensé. Oh, la belle attaque par derrière. Il a tenté de surprendre le masque. Ah bah, j'ai raté mon dodge. C'est pas grave. Bon. J'ai besoin de vie. Le psycho-pouvoir. Oui. Ah bah, l'entrée. Oh, l'entrée. Tu crois que tu peux avoir le masque? Oh, Utsukushi! Oh les wa, Utsukushi! Utsukushi! Oh, Utsukushi! Oh! Utsukushi! Ah, ça faisait longtemps que je m'étais pas amusé comme ça, tiens. Ah, et en plus, il pousse le cadavre du pied. Aucun respect. Vous pouvez... Oui, c'est ça, on y travaille. Allez, tiens, prends ça. Mais juste avant, contemple le regard et le visage du masque. Dis-moi, est-ce que je suis beau? Le psychopathe, tu sais. Tenez, mettez ceci. Tiens. J'ai déjà bien assez de gros. Très drôle. Ne discutez pas, faites-le.